Pour les couleurs. Envoyez. Donc vous verrez l'établissement. Nous sommes à l'intérieur.
on nous apprêtons pour les... Non, à droite. Tu n'as pas calibré. Sur le préfet du département de Thiès, Doyen Kanté, distingués invités en vos grands titres et qualités, chers professeurs, chers élèves, chers étudiants, permettez-moi, au nom du directeur général du groupe ISM et en mon nom personnel, au nom des directeurs de l'ISM Thiès et au nom de tout le staff de l'ISM, de souhaiter la bienvenue à Monsieur le Préfet ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. C'est pour nous aujourd'hui un réel honneur de vous recevoir et je commencerai par vous souhaiter bonne chance. Bienvenue dans la région de Thiès, mais surtout bonne chance pour votre mission. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la traditionnelle cérémonie de levée de couleurs. Cette cérémonie est pour nous une tradition, car depuis que nous avons créé le lycée, nous la perpétuons chaque année. Et cela, nous avons été accompagnés en cela par l'ENOA, les militaires de l'ENOA, qui nous ont toujours fait l'honneur et le privilège de lever avec nous le drapeau. Et depuis 8 ans aujourd'hui, nous sacrifions à la tradition. Et cette cérémonie, au-delà du symbole, est pour nous aussi l'occasion de nous adresser à nos élèves et étudiants pour ensemble revisiter les valeurs fondamentales de notre nation. Aujourd'hui, vous êtes chez nous, j'allais dire chez vous, à l'ISM. Et laissez-moi vous parler un peu de notre groupe qui existe depuis bientôt 30 ans. Fondé à Dakar en 1992 par M. Amadou Diaw, l'ISM a fini par s'étendre dans toutes les régions du Sénégal. Vous venez de Salemata et je sais que l'ISM est à Kolda, l'ISM est à Ziguinchor, l'ISM est à Saint-Louis, à Thiès, à Kaolack, à Fatick, l'ISM est à Dakar et à Mbour aussi. C'est dire aujourd'hui l'ambition que nous avons d'étendre l'ISM partout où les Sénégalais se trouvent, parce que pour nous il est important de former, mais aussi de bien former les enfants de ces pays. Nous avons commencé ici à Thiès en implantant l'école en 2006 par le programme du supérieur. Le supérieur, c'est le post-bac. Après 3 ans de formation, on leur délivre la licence qui leur permet d'intégrer le monde des entreprises. Et depuis cette année, 2006, le programme s'est diversifié avec une offre vraiment plurielle. Aujourd'hui, nous offrons la licence en gestion, la licence en informatique appliquée des affaires et la licence en droit des affaires. Au niveau des masters, nous recevons les week-ends les adultes qui viennent se former. C'est des personnes d'entreprise qui ont envie d'apprendre davantage et surtout de partager leur expérience avec les plus jeunes. Donc nous les recevons 2 week-ends par mois et ils sont là dans le programme qu'on appelle Graduate Programme. Au-delà des G du programme, nous avons ce qu'on appelle le lycée d'excellence. On a donné le nom du lycée d'excellence à un fils de Thiès, Cheikh Amadou Kane. Tout le monde a lu l'aventure ambiguë. Donc c'est de ce monsieur dont il s'agit. Vous avez devant vous, en tenue de cérémonie, pour ne pas dire d'apparat, les élèves du lycée, tous de bleu vêtus. C'est pour nous aussi une tradition, tous les lundis du mois, de porter cette tenue-là, qui fait un peu sérieux, qui fait style, il faut le dire, pour aussi apprendre aux élèves à bien porter l'habit, bien porter un costume. Au supérieur, vous verrez des cravates. C'est aussi se prendre au sérieux, voir l'investissement des parents et se dire que ce n'est pas quelque chose de léger et peut-être mettre beaucoup plus d'ambition dans les études. Et nous accueillons les élèves de la 6e à la terminale, toutes séries confondues. Et cette année, l'effectif tourne autour de 550 élèves. Donc c'est dire, il y a de cela 8 ans, on a commencé avec 60 élèves.
je pense que l'école a bien grandi. Vous avez à côté les tout petits, les préférés de tout le monde. Ces petits-là, en blanc, tenue de cérémonie aussi, avec leurs grands frères qui sont derrière, sont à l'école qu'on appelle le bridge. Le bridge, pourquoi? Nous avons voulu créer un pont. Le bridge, on comprend bien que c'est de l'anglais. Donc, le pont pour relier le primaire, le préscolaire au supérieur. Parce que chez nous, on peut y entrer à l'élémentaire, au préscolaire, j'allais dire, et sortir avec, disons, une licence, pour ne pas dire un master. Donc, tout est possible avec nous. Et vraiment, l'ambition que nous avons, qui est l'ambition, pour ne pas dire la vision de M. Diaw, c'est vraiment de former les leaders de demain, les leaders d'Afrique, mais les leaders du monde entier. Et j'en veux pour preuve nos alumni qui sont à travers le monde entier. Le lycée d'excellence dans lequel vous êtes, aujourd'hui a un élève sorti d'ici qui est à lui le grand, pour ne citer que celui-là. Les étudiants sont à travers le monde. Nous avons des partenariats multiples et variés avec des écoles d'Amérique, des écoles d'Europe et des écoles d'Asie. Donc, notre credo, tout le monde le connaît, « Today ISM, tomorrow the world ». Tout cela, si on le comprend bien, veut dire que on est aujourd'hui à l'ISM, demain le monde s'ouvre à nous. Encore faut-il travailler. Donc, Monsieur le Préfet, je voulais en quelques mots vous donner une idée de qui nous sommes. Mais vous aurez tout le temps de le découvrir. C'est pour nous un réel honneur, vraiment, d'accueillir la délégation qui vous accompagne. Et je souhaite que ces visites que vous effectuez, vous avez commencé à effectuer, soient vraiment le début de longues visites et de riches entretiens avec les populations. Je suis Nuyu Mboromi, je suis président ou délégué de quartier de l'éducation. À Gogidana, il y a des gens qui sont venus. Est-ce que les gens qui sont venus passer? Ah, ok. Il y a 3 ans. Ah, il y a un changement légué. Mais nous, qui sommes élevés à cette université, nous avons des filles vraiment qui font une barre, nous l'ignorons. Nous avons une solution. Nous avons un gore, nous sommes le premier président de la République du Sénégal. Nous avons une solution. Nous avons une solution. Nous avons une solution. Nous avons une solution. Nous avons vu que nous avons fait des choses. Nous avons vu que nous avons fait des choses. Nous avons vu que nous avons fait des choses. Nous avons vu que nous avons nous avons vu que cette école est venue. Nous avons vu que cette école est venue. Nous avons vu que Monsieur le Préfet, nous avons vu que cette école est venue. Nous avons été filles de Thiès, et Sénégal. Nous avons été 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 nous nous avons collecté le quartier, le doyen des chefs de quartier, le préfet, ici, Miller, Pichichès.
nena ñi mo nek fi teji mu leen xol nena ñi wa nena ñi dafa leena min lol am na leen gis lu bare bare adena kilifa yi muy dakar lol nek ndeyjor ak tamoy ñi yobu rew mi ci kanam la na ñoo ñoy a rew mi anena discours bi do ma guddu anena professeur bi wax legi madame la directrice anena dem la ko baax baax ñi ñaan yalla yalla fi yag mom itam lo rek la amul luy wax di nuyu ñep di ziar ñep fa salam merci. Étant entendu que la journée n'est pas extensible à souhait et nous devons retourner à nos services respectifs et permettre également aux élèves de démarrer les cours. Je voudrais tout d'abord vous adresser à vous tous mes cordiales et chaleureuses salutations. Et après vous avoir salué, vous remercier de l'accueil très chaleureux que vous avez bien voulu me réserver lors de mon installation, me permettant ainsi de m'intégrer très rapidement dans le dispositif départemental et d'intégrer également cette belle dynamique de collaboration et de coopération. Je voudrais quand même distinguer dans mon adresse la présence remarquable et remarquée des corps habillés très élégants, celle des délégués de quartier, en l'occurrence notre doyen M. Kanté, ni les nuits pour bah, de la masse ou tchon, vraiment. De la main également à toi, la taraway du matin. Distinguer également la présence de tous les chefs de service ici présents, mais surtout celle des élèves, très élégants, très distingués dans leur tenue d'apparat. Il faut l'appeler comme ça. Mais j'ai bien pu constater votre posture en rang serré et en colonne rectiligne, très serein, comme pour nous montrer à nous tous ici présents l'expression d'une discipline, d'une éducation dont vous voulez qu'il soit ou qu'elle soit la quintessence est l'essence même de votre établissement. Moi, j'ai eu à fréquenter l'ISM lorsque j'étais à Zinenchor. J'ai toujours eu la chance de représenter M. le gouverneur à l'occasion de vos cérémonies de fin d'année que vous appelez, voilà, les graduations. Et j'ai eu également l'occasion, effectivement, de connaître M. Diop. Donc, je vous félicite. Je vous encourage et vous invite à persévérer dans cette dynamique-là très positive. Et je suis sûr que vous êtes en train de contribuer notoirement à l'éducation justement de nos filles et de nos fils. Nous l'avons tous vécu à l'instant. Un moment fort. Un moment intense, empreint de solennité républicaine, qui a permis à chacune et à chacun d'entre nous, ce matin, de se reconnecter à la République, de se rappeler les bons principes, les bonnes valeurs qui doivent être les nôtres. En tout instant,
Et quand Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, a initié justement cette cérémonie, c'est pour faire en sorte que chaque citoyen puisse faire une introspection, pour ne pas dire une projection, et reconsidérer ses rapports à la République, ses rapports à la chose publique, ses rapports à l'ordre public, ses rapports à l'hygiène, à la salubrité publique. Et surtout, parlant de salubrité publique, en voilà déjà une autre initiative prise par ses soins, nous invitant à mieux prendre soin de nous-mêmes à travers notre cadre de vie. Monsieur le Président de la République nous invite à traquer l'insalubrité où qu'elle se trouve, sous le lit, dans nos chambres, dans l'intimité de nos chambres, dans la cour de nos maisons, à la place publique. Aucun coin ou recoin ne doit être cédé à l'insalubrité. Nous devons la traquer jusqu'à la décharge. Et à la décharge, tâcher de bien, véritablement, la revaloriser. C'est ça la compréhension qu'il faut avoir de l'initiative du chef de l'État. Et je me réjouis de constater, samedi dernier, toute cette mobilisation-là qu'il y a eu. Toutes les composantes de la communauté ont répondu présentes samedi dernier pour nettoyer, pour balayer, pour rincer. Parce que, évidemment, notre survie dépend de notre cadre de vie. Et pour mieux combattre, disons, la maladie, il faut véritablement s'attacher, de jour comme de nuit, à l'hygiène, à la propreté. Et je pense que l'ISM est déjà dans ça. Nous avons trouvé une cour propre, une cour gaie et une population également radieuse, gaie et chaleureuse. Et certainement studieuse aussi au regard des résultats qui viennent de nous être présentés. En tout cas, voilà le mot ou le demi-mot que je voudrais juste prononcer ce matin. Vous constatez que c'est à la va-vite, parce que, comme je l'ai indiqué ce matin, alors il nous faut retourner à nos services respectifs. Mais je ne terminerai pas, évidemment, merci Monsieur Mbaye, sans remercier l'Église qui est là également pour irradier effectivement ces circonstances. Et je dois dire, illico presto, que dans le courant de la semaine, alors je vous rendrai visite pour que en plus ample connaissance, en tout cas, soit. Voilà, chers élèves, voilà, chers collaborateurs, ce que je voudrais dire en vous donnant rendez-vous, n'est-ce pas, le mois prochain. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.